Good morgen, Aleiden, les Sussres, aujourd'hui le Nishmat, Mourir Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Elazar Menachem Man, Ben Azriel, Adel, Bat Sol, Tarab, le Bet Vanish, Sarah Bat Rachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim, Ben Sarah, ainsi que l'Irfouat, Sarah Bat Beti, Rivka, Bedor, Charkol, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de 2000 chaque contact de la 5 minutes éternelle, nous étudions Masechet Menachot, Perek Yud, Mishnah Zain, Achitin, Va Seorin, Va Kousmin, Va Shibolet Shual, Va Shifon, Chavin, Va Chala, Va Mitztarfim, Zen, Im, Zen. ואסורים מחדש מלפני הפסח ומלקצור מלפני העומר. ואם ישרשו קודם לעומר, העומר מתירן, ואם לאו אסורים עד שיבוא עומר הבא. On a appris dans les deux missions précédentes que, à partir du moment, tant que l'on n'a pas fait le korban à Omer, tant qu'il n'y a pas eu le 16 Nissan, alors on n'a pas le droit de consommer les nouvelles récoltes à cause de l'interdit de Khadash. Les nouvelles récoltes, c'est en vigueur, même aujourd'hui, interdit par la Torah. On a déjà évoqué que ce n'était pas tellement fréquent dans nos pays, en Europe en général. Il y avait des problèmes avec ça en Russie. On trouve des problèmes dans l'hémisphère sud, où les saisons elles sont inversées. On se retrouve finalement avec des récoltes, comme ce qu'on va apprendre dans notre Mishnah justement, plus précisément, en tout cas des récoltes qui vont pousser après Pessah, qu'on va semer et qu'on va ensuite récolter, moissonner après Pessah. Et donc il y aura un interdit de consommer jusqu'au Pessah d'après. D'accord ? On va mettre plus le zoom, on va expliquer après dans la Mishnah, plus dans les détails, à partir de quel moment, c'est intéressant, on va voir. Mais pour le moment, la Mishnah, du coup, elle va me rapporter les 5 céréales. Quelles sont ces 5 céréales ? Et du coup, me rapporter toutes sortes de halakhot sur quoi on va retrouver ces 5 céréales. Et on commence tout de suite. Achitim, ve'aseorim, ve'akousmin, ve'shibolet shual, ve'shifon. 5 espèces à connaître, qu'on rencontre fréquemment. Chitin, seorim, kousmin, shibolet shual, ve'shifon. En français, ça fait chitin, c'est le blé. Ve'aseorim, c'est l'orge. Akousmin, c'est le seigle. Shibolet shual, c'est l'avoine. Et shifon, c'est l'épeautre. Ces 5 céréales-là. Alors, chayavin bechala. Elles sont chacune indépendamment, si tu fais une pâte avec elles, eh bien, elles sont imposables de prélever la chala. D'accord ? Ouais, quand on prélève la chala, à partir du moment où on fait 1,660 kg. Ou 1,2 kg, la khumra, et pour les échelles, 1,5 kg, où on fait donc une pâte, il faut ensuite prélever un petit bout de la khala, un petit bout, initialement c'est un 24e qu'il fallait donner au Kohen, aujourd'hui puisqu'on ne donne plus un Kohen, on se contente de prélever un petit peu, uniquement et qu'on brûle, ça, le khiouv khala, ça concerne ces 5 céréales. Si vous faites une pâte avec du riz, avec de la fécule de pomme de terre, vous serez dispensé de prélever la khala. Par contre, si vous faites avec ces 5 espèces, vous devrez prélever la khala. Et mieux que ça, au mitztarfin ze imze. Littéralement, d'abord, elle s'associe. Ça touche à. C'est plus détaillé dans un sechet khala. On va expliquer quand même quelques petits principes. Mitztarfin ze imze, c'est-à-dire qu'elle s'associe. C'est-à-dire, littéralement, la Mishnah a l'air de me dire que si tu as pris. Je t'avais dit de remplir 1,6 kg de farine pour pouvoir prélever ensuite la khala une fois qu'on a fait une pâte. Qu'est-ce qui se passe si tu as mélangé toutes sortes de céréales, un petit peu de blé, un petit peu d'orge, un peu d'épeautre, un peu de seigle, eh bien, toutes ces espèces, la Mishnah enseigne, toutes ces espèces s'associent pour être imposables de challah. C'est-à-dire, si tu as pris 300 g de blé, 300 g d'orge, 300 g d'épeautre, et tu as dépassé comme ça le 1,6 kg, tu devras prélever la challah. C'est ce que la Mishnah semble dire. Le Bartanoir rallonge pour préciser plus de détails, qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué en fait. C'est-à-dire, ce que je vous ai dit, c'est vrai, si on veut mélanger tout dans une seule pâte. Maintenant, si vous faites 2 pâtes distinctes, une avec le blé, une avec l'orge, alors là, elles vont plus s'associer ensemble. Si vous avez, je ne sais pas moi, 900 g et 900 g, ça ne s'associe pas, même si ça se touche à un moment. D'accord ? Donc vous ne les remélangez pas en une seule pâte. Par contre, dans certaines espèces, parmi c'est des règles un petit peu particulières, qu'avec le blé, on va pouvoir associer le kousmin, par exemple. Bon, c'est des détails que c'est pas. Ça s'étudie essentiellement dans ma sechatra. D'accord ? Pour l'instant, on retenait donc que ça s'associe, au moins lorsqu'on les mélange tous ensemble, elles s'associent. Ensuite, va asurin bechadash milifna pesach. Toutes ces 5 espèces-là seront interdites à cause de l'interdit de chadash, de consommer la nouvelle récolte, comme ce que l'on a évoqué. Si on est milifna pesach avant pesach, c'est-à-dire, vous avez le blé qui a commencé à pousser. Donc, fin Adar, par exemple, fin Adar, début Nissan, vous voulez déjà prélever un petit peu et commencer à manger ce blé, faire la daffina avec la nouvelle récolte, eh bien, vous ne pourrez pas le faire. Pourquoi ? Parce que pour le moment, il y a un interdit de Khadash.
jusqu'à quand on passe Pessah, le deuxième jour de Pessah. Et là, ça devient permis, comme ce qu'on apprenait de Mishnayot précédent pour se définir exactement à quel moment ça devient permis. Donc, Vasrun Bechadash Milifna Pessah, et mieux que ça, ou même Miliktor Milifne Aomer. Interdit de les moissonner, de les récolter avant le Omer. C'est-à-dire, on a appris que le Korban de Omer, vous vous rappelez, comment ça se passe, le soir qui suit le Yom Tov de Pessah, on partait en dehors de la ville, et là-bas, il y avait les gens du village qui se réunissaient, et il y avait les Shluchei Bet Din, les émissaires du Médine qui allaient couper le blé, en disant Magalze, et tout. Vous vous rappelez comment toute la belle Mishnah qu'on avait appris? Eh bien, il faut savoir que l'on n'a pas le droit de cueillir les nouvelles récoltes tant que l'on n'a pas cueilli ce soir-là le Omer. C'est ce que la Mishnah est venue m'enseigner. Au Miliktor, le Asurim qu'il y avait dans la phrase, au début de la phrase, il est mis en facteur. Les Asurim, elles sont interdites. Deux choses. Khadash Milifna Pessah, Liktor Lifna Omer. Interdit de cueillir avant que l'on cueille le Omer. D'accord? Veim Ishrishu Kodem la Omer, a Omer Matiran, Veim la Basurin Ajavo Omer Rabba. Veim Ishrishu Kodem la Omer. Et si elles se sont enracinées avant le Omer, alors à Omer Matiran. Alors le Omer va les permettre. Même si Veim Lav, mais si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas enracinées, elles n'ont pas pris racine dans la terre avant le Omer, Asurin Ajavo Omer Rabba. Elles sont interdites jusqu'à ce que le Omer de l'année d'après vienne. Il faut expliquer un petit peu mieux là de quoi on parle. Et il y a quelque chose d'assez original qui se passe avec l'interdit de Khadash. Je reprends. On a la date du 15 Nissan. Du 16 Nissan, c'est la date où les nouvelles récoltes vont être permises. Les nouvelles récoltes, ça implique tout d'abord, bien évidemment. J'ai eu plusieurs dounam, des grosses quantités de blé. Pour le moment, je n'ai pas le droit de les manger. Le 16 Nissan, on va faire le Korban en mer, dès qu'on fera le Korban en mer, tout va devenir permis à la consommation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a même quelque chose de très original. Qu'est-ce qui se passe si j'ai semé le 10 Nissan, le 5 Nissan, ouais, début du mois de Nissan, j'ai semé. Il n'y a rien qui a poussé encore pour le moment. Mais il y a quelque chose qui s'est quand même... Ouais, il n'y a rien qui a poussé. Donc de ce fait, qu'ensuite je vais avoir, disons, deux mois après, ça commence à pousser... On va se retrouver en Sivan et va avoir du blé qui va commencer à pousser. Imaginez que c'est ce qui se passe. Est-ce que j'ai le droit de consommer ce nouveau blé? Normalement, ça devrait être interdit. Pourquoi? Puisque le blé, il n'avait pas encore poussé avant Pessah. Eh bien, sachez que ça devient, c'est permis. Comment c'est possible? Pessah n'a pas. C'est-à-dire, quand il y a eu le Korban en mer, on n'a pas pu permettre ce blé. On a dit, si j'ai. Alors la solution, elle va être quoi? Elle va être que toute graine qui a commencé à prendre racine dans la terre, elle va être permise grâce au Omer, au Korban à Omer que l'on va faire. Je m'explique un petit peu mieux. Il y a deux situations. Trois situations, comme ça on va être clair. Il y a l'interdit ne concerne que, on va d'abord parler un petit peu à l'extrême, si après Pessah, j'ai pris des graines qui étaient permises à la consommation, mais je les ai plantées. Donc, on est le 25 Nissan, j'ai pris des graines et je les ai plantées dans la terre. Et deux mois après, en Tammuz, Av, peu importe, ça va, là-bas, je vais avoir du blé qui va pousser. Je n'aurai pas le droit de consommer ce blé. Pourquoi? Parce que ce blé-là, il n'existait pas, il n'était pas là, lorsqu'il y a eu le deuxième jour de Pessah, le 16 Nissan. Le Homer doit permettre une nouvelle récolte, ça c'est une récolte qui est venue entièrement après. On va passer maintenant à l'autre extrême. Il y a le cas où j'ai planté mon blé en, quand vous voulez, qui se lève. Le blé, il a poussé jusqu'à que j'arrive enfin à Dar. Il a poussé, il est là maintenant devant moi. Eh bien, j'ai pas le droit de le consommer jusqu'à que va venir le 16 Nissan. Le 16 Nissan, ça va permettre le blé. Il y a un cas intermédiaire, c'est le cas où j'ai planté avant le 16 Nissan et que ça va pousser après le 16 Nissan. Eh bien... Ce blé-là aussi, il va être permis grâce au Korban en mer, à partir du moment où les graines que j'ai plantées dans la terre ont hishrishu. Elles se sont enracinées avant le Pessah. Avant Pessah. C'est une histoire de... il y a une discussion dans la Gemara, je ne sais pas comment c'est tranché, est-ce que c'est 3 jours, 14 jours ou un mois. Je pense que c'est 3 jours, logiquement. Non, Matiran, ce n'est pas précisé ici. D'accord? En tout cas, 3, il me semble que c'est... c'est une histoire de 3 jours. Il faut planter 3 jours avant le Omer. Si on plante 3 jours avant le 16 Nissan, c'est-à-dire tu vas planter même le 10 Nissan, et ben tes graines, elles vont avoir le temps de s'enraciner. Elles vont s'enraciner, c'est-à-dire que maintenant, ouais, vous imaginez bien, on met une graine, initialement c'est quelque chose de magique, on met une graine qui est pour le moment
qui n'a pas du tout de vitalité apparemment, on la met dans la terre, elle va pourrir, et quand elle va pourrir, elle va commencer à pousser. Et bien, dès qu'elle va commencer à ce qu'on appelle être mishtaresh, à s'acclimater, littéralement ça veut dire s'acclimater à la terre, c'est-à-dire qu'elle est devenue maintenant, elle s'est annulée, elle est en train de, maintenant de pourrir pour pouvoir faire pousser l'arbre, alors le homer va ensuite permettre le blé qui poussera à partir de cette graine. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la sarakoltou, c'est là.